Ce forum est une occasion pour mieux améliorer la sensibilisation des populations vis-à-vis des maladies chroniques non transmissibles. Et je pense que le message clé, c'est que les populations parviennent à comprendre que l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques non transmissibles est fortement liée à notre alimentation. Aujourd'hui, il est démontré que la prévalence de l'hypertension artérielle et de la maladie rénale est fortement corrélée à l'augmentation de sel dans notre alimentation. L'Européen, en moyenne, consomme 10 grammes de sel par jour, comparativement à notre population noire africaine où la consommation moyenne est de 30 grammes de sel par jour. Ainsi donc, il nous faudra arriver à réduire par 2 voire par 3 notre consommation de sel pour pouvoir impacter sur la prévalence de l'hypertension artérielle et de la maladie rénale dans notre population. De façon basique déjà, nous avons une forte consommation de sel. Si par exemple nous mettons une poignée de sel dans notre repas au quotidien, il faut qu'on éduque les femmes à réduire par 2 voire par 3 cette quantité. Mais naturellement, quand on parle de réduction de la quantité basale, nous décommandons fortement l'utilisation des bouillons et des autres substances qui augmentent la quantité de sel dans notre alimentation. Sa poule me soumet et comme un valable.